Bienvenue à tous sur le donjon de Narelbuck, la partie 6. On fait suite à la partie 5 où j'étais en train de combattre une sorte de voleur, de monstre, et j'y arrivais pas. Donc là, je suis décidé de remonter à la taverne et de faire plutôt la quête des mages du carré, et notamment aider le master. Donc je me retrouve dans la cuisine, c'est un nouvel endroit que j'avais pas été la dernière fois. Alors veuillez m'excuser pour le son un peu sourd de ma voix, sur OBS, je sais pas, il y a un truc qui va pas, ce qui fait que le son est un peu sourd au niveau de ma voix. Hein. Du moment que vous comprenez, ça suffit. Bonjour, nous cherchons le chef cuisinier. Il est dans la réserve, mais je serai vous, je n'irai pas. Pourquoi? Il a des tentacules qui sortent de son calbar. Disons qu'il est un peu chafouin, un sorcier pénible n'arrête pas de chercher à l'entourlouper. Ça a l'air bon ce que vous cuisinez, c'est quoi? Du boudin aux pommes. Que voilà une belle mise en abîme. Ok. Tiens, on va voir ce cuisinier là. Ah lui, il a pas le temps de papoter. Ok. Allez, on va aller ici. Chef cuisinier, allons-y. Quoi? Ben, que faites-vous ici? Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les mauviettes. Oh, les quoi? C'est bientôt le coup de feu. Sans rire, vous avez une arme à poudre? Mais Boupoula! Nous recherchons une meule de fromage de Glarg. Ah, ça? Ben oui, j'en ai. Et du bon. Pure brebis fin de sauvage. Et il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est du clacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique avarié. Restez poli, hein. Et donc, combien pour cette merveille gustative? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute un kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi! Oh, combat alors. D'accord, donc il va falloir mériter le fromage. Allez, c'est parti pour un combat. Alors, on va essayer de bien se placer par rapport aux différents personnages. Ils sont 3, 4, 5. 5 à abattre. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, bon, j'en vois plus que ça, 6. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7. Alors, on va mettre en première ligne toujours le barbare. Donc ici, on va le mettre en première ligne ici, avec une vue vers eux. Alors je méfie des caisses là, parce que la dernière fois ça avait foutu le bain. Mais par contre, j'ai pas mis plus de vie à lui. Allez. Ici, on va mettre notre paladine devant. Ah, j'aurais dû soigner les gens là, j'ai pas fait attention. Voilà. Lui il va rester là. Le nain, il va se mettre ici. La mage, elle va se mettre. Elle va se mettre ici. Et l'elfe. Attends, ça c'est quoi le voleur? Il va se mettre. Il va se mettre ici. Et l'elfe, elle va se mettre en sécurité ici. Voilà. Et là, on fait baston. Allez, c'est parti. Vous allez en baver. Alors, c'est au tour du ranger qui, lui, va... Il va plutôt augmenter la précision de tous les alliés. Non, parade et l'esquive. Ou bien il peut soigner déjà quelqu'un. À la limite, il va soigner quelqu'un, pardon. J'avais pas vu que l'ogre, il avait rien. Allez, l'ogre. Serre les dents. Voilà. Ensuite, le ranger. Et ben, il finit son tour là. Allez, au niveau du barbare. Le barbare, il va rester là gentiment. Il va attendre que les mecs ils arrivent. Je vais retarder son tour. Le nain. Le nain, pareil, il va retarder son tour.
Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, il peut balancer des choses à distance. Alors l'ogre maintenant. L'ogre, il va pouvoir avancer vers lui. Attends, il va faire plutôt un... Pour le faire reculer, je crois que ce serait bien. Voilà. Non. Ok. À la magicienne. La magicienne, elle va peut-être garder ses sorts de soins pour... ou bien elle va soigner la paladine. Non, elle va garder ses sorts de soins quand même. Elle va se mettre ici. Voilà. Salut, je suis le ranger de Loubet. Et elle va tirer à distance sur lui. Voilà. Autour de la prêtresse. La prêtresse, ce qu'elle peut faire. Elle va tirer. Autant faire le même. Hein. Allez. Remercions le guérisseur. Voilà. Et elle va finir son tour. Autour du voleur. Le voleur, lui, va peut-être faire un petit tour derrière là. Voilà. Et il va passer en furtivité. Je ne suis pas là. Voilà. Même pas en rêve. Putain, alors lui, il fait super mal. On va peut-être frapper, elle. Voilà. Fin du tour. Autour du barbare. Le barbare... Il va se placer... Ah ouais, mais là, non. Il va se placer ici. Il va frapper notre ami, hein, pas deux coups comme ça. Voilà. Le nain. Le nain, il va falloir... Il va infliger tous les dégâts à tous les personnages autour du nain. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Torgnol, passons, guerrier. Voilà. Fin du tour. Le ranger. Le ranger. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être frapper lui, hein. Il va se mettre en face. Et il va frapper. Voilà. Ensuite. Aïe ! Le barbare. Il va se mettre devant lui, là. Et il va frapper. Oh putain, il rate. Le nain. Le nain, il peut que frapper. Celui-là. Dans ta gueule. Fin du tour. Ouf. Allez, l'ogre. Il va se mettre là. Salut. Il va frapper. Voilà. Alors la magicienne, elle va faire son sort de soins.
Elle va le faire sur qui? Attends. Elle va faire son sort de soin sur lui quand même. Voilà. Et puis elle va rester là. Après la dîme. Elle va soigner une cible. Elle va se soigner elle-même. Voilà. Enfin, notre ami le. Je vais frapper lui. J'aime pas trop les rats. C'est pas mignon et ça sent comme le nain. Mire celle-là. Voilà. Ah, ils sont plus que deux, hein. Je devrais les avoir. Hein. Morsure au mollet pour l'elfe. Alors l'elfe justement qui va. Qui va peut-être soigner quelqu'un. Elle va soigner le voleur. Un bisou magique pour le voleur. Voilà. Et elle va passer son tour. Alors autour de notre ranger ici. Qui lui va frapper. Ouais, qui va se mettre. Attends, qui va frapper lui comme ça. Hop, allez. Voilà. Ensuite, ce tour du. Autour de qui? Ah, des barbares. Alors lui, il va frapper simplement ici. Voilà. Autour maintenant. Alors le barbare, c'est terminé. Le nain, il va charger lui. Et paf! Dégage! Voilà. Hors de combat. Il n'en reste plus qu'un à voir. Voilà. Et on va se mettre ici. La magicienne, elle va avancer ici. Un peu autour de la paladine qui va se mettre là. Et elle va lancer sur lui. Allez. Voilà. Et je pense que le combat est gagné. Nickel. Parfait. Alors qu'est-ce que je gagne? 52 pièces d'or. Un bâton classique de calcul. Un bâton gradué qui permet de mesurer facilement les ingrédients dont vous aurez besoin pour cuisiner. Une passoire usagée. Ah, c'est marrant ça. Plus économique qu'une casserole, une passoire est utile pour y goûter les nouilles, mais aussi pour réduire les gobelins en purée en les extrudant à travers les trous. Oui, c'est pas mal. On va tout prendre. Soigner le groupe, malheureusement, je ne peux pas soigner, j'ai rien, j'ai plus de bandage. Il va falloir absolument que. Attends, ainsi. Je devrais pouvoir soigner, je comprends pas pourquoi. Je peux pas soigner le groupe là. Soigner mes zéro, quoi. Il me semble avoir fait le plein. Hein. Bon, c'est pas grave. En retour. On fera ça de manière plus. Ah, voici le. Oula, ça sent fort. C'est comme les bottes des mésoncles après une semaine de chasse. Je me sens pas bien. Mettons ça dans un sac et fichons le corps. T'as la miam miam, t'as la qui pue. Non, tu n'en mangeras pas. C'est un objet de quête. Bon. Retournons voir le master. Voilà. Allez, on va retourner voir le master. On va d'abord fouiller ce qu'il y a à fouiller. On a des 20 coteaux de Waldorg. Et donc ça, c'est du vin à la campagnarde de Bourgouville. Ça pourrait ressembler à du vin de loin, dans le noir, et sans approcher les lèvres, contient aussi du raisin. Un peu. Utile pour décaper la rouille et nettoyer les toilettes. Hein. Ben, on va tout prendre. Hein.
Voilà, R1 pour tout prendre. Voilà. On va regarder s'il n'y a pas autre chose à fouiller. Parce que 20 pièces d'or. On va tout prendre. L'ogre gagne un niveau. Ah bah c'est bien, ça gagne un niveau l'ogre. La magicienne gagne un niveau. Ah cool. Le barbare gagne un niveau. Tout le monde va gagner du niveau. Du jambon, la gastronomie chez les ogres, on va tout prendre. Le voleur gagne un niveau. Le nain gagne un niveau. Il va tout faire, lui. Un mini râtelier à merguez. Ce mini râtelier équipé de pics chauffants vous suivra partout dans vos aventures. Vous permettra de disposer à tout moment de merguez chaude et juteuse comme il faut, prêt à être consommé. Ah bah oui, c'est bien ça. Donc là, il manque des livres. Alors, juste pour voir, on va sauvegarder quand même la partie. Hein. Donc, sauvegarde. Fudge, il est où ? C'est là. Sauvegarder. Retour. Ok. Non, pas quitter. Continuer. I pour inventaire. Voilà. Alors, il faudrait le faire manger, lui. Alors, attends. Brocoli. Équipé. Ben non, je ne veux pas équiper, moi. Comment je fais pour manger ? Les équiper, non. Ah bah merde, je sais pas comment on fait. Équiper. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Détruire. Alors je sais pas comment on fait pour manger. Parce que là, vous voyez, j'ai des points de vie qui ne sont pas à fond. Je sais pas. Alors, il faut peut-être se reposer, hein, dormir simplement. Bon. Je sais pas trop là. Allez, on va aller voir l'archimage. La taverne de Naelbach est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Ah, se reposer, c'est ça. Voilà, et là je pense qu'on a tous... Ouais, c'est bon. C'est bon, parfait. Non. Ben alors l'archimage il est où ? Voilà mes amis ! Alors, vous avez été faire un tour à la cave ? Vous avez trouvé le jaja ? Non, on n'a pas eu le temps. Bon, c'est pas grave. J'irai en chercher une autre caisse à l'occasion. J'ai une réserve secrète. Allez, c'est parti. Le master, le voici. Ah, je sens d'ici le fumet incomparable du lait brebifant fermenté dans les outres en peau de morchleg. Ah, c'est comme si on avait renversé les poubelles d'un restaurant pour gobelins. Oh. Nous sommes heureux de vous en faire présent. Oui, et puis, ça soulage. Si seulement on pouvait se rouler dans les flares maintenant, ça ferait peut-être passer l'odeur. Je dois reconnaître que malgré votre intérêt pour des sujets totalement éloignés du lactosérum et de la présure, vous avez un certain talent. Noble sorcier, je crois que nous avons terminé vos quêtes respectives. Ouais, même que c'était bien la misère de faire ces boulots pourris. Autant embrasser un poney albinos. Ça peut s'arranger. Et d'ailleurs, ça te ferait le plus grand bien. Mais bouclez-la ! Peut-être que vos splendeurs arcaniques pourraient enfin étudier notre problème. Mon ami, je crois que ce collectif exploratoire s'est démarqué de la moyenne mobile des accomplissements aventuriers standards de la Caisse des Donjons. Peut-être qu'il manque un peu d'affinage, mais la pâte est prometteuse. Comment ils s'écoutent parler ? Si vous voulez bien produire l'objet de vos requêtes successives, nous allons procéder à une analyse astrale. Envoyez votre amulette. En plus, ça rime avec mimolette. À un moment, j'ai cru qu'on allait en être débarrassé.
Ils échangent en langage des arcanes. On n'y comprend rien. Eh ben, figurez-vous que moi, je sais parler en écureuil. Et c'est plus amusant. On s'en balance. Tout vient à point, à qui sait attendre. C'est comme l'affinage d'une pâte cuite pressée. Il est probable qu'il s'agisse d'un objet magique d'une catégorisation maléfique avec sous-orientation maudite. Il est indissolublement lié à vos énergies astrales. Punaise, c'est maudit. Quel scoop! L'objet est au service d'une déité du plan astral chaotique démoniaque. Mais nous ne pouvons pas nous avancer davantage sur cette problématique. Le cahier est trop épais. Donc, en gros, c'est magique, chaotique, maudit, démoniaque, mais vous n'en savez pas plus. Ouais, nous avons conclu qu'il vous faudrait obtenir l'aide d'une entité chaotique puissante et démoniaque pour en savoir davantage. Demander à un démon? Là, dit comme ça, je le sens pas trop. Je renouvelle mon offre pour monter la garde à l'extérieur du donjon, même sans toucher ma part. Bon, les démons, vous savez, c'est comme les fromages. Il n'y en a pas de pareil, ils ont des formes très diverses. Il se trouve qu'au 4e étage réside un démon qui pourrait sans doute vous renseigner. Il a été capturé par malédiction et ne constitue pas une menace immédiate. Cela semble quand même dangereux. N'y a-t-il pas un autre moyen? Ouais, par exemple, on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette. Le problème n'est pas l'amulette, mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça. Il vous faut remonter aux sources du mal, au pis de la vache en somme. Bon, eh bien, il faut qu'on explore d'ici jusqu'au 4e étage. Sauf qu'il y a un problème. Les accès au 3e semblent condamnés et sans 3e étage, pas de 4e. Tiens, tu devrais parler plus souvent. C'est une remarque utile. Nous avons le moyen de vous aider. Je vous ouvre la grille qui mène au 3e étage. Et nous déclinons toute responsabilité quant à la suite de vos pérégrinations aventurières. Une dernière chose. Il se peut que vous croisiez notre collègue. Il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu. Pourquoi ils tous? À mon avis, ça sent le coup fourré, ça. Hein. Allez, on va aller voir donc au 3e étage. Alors, on va fouiller quand même. Un avis de passage chronotroll. C'est pas chronopass, c'est chronotroll. Un authentique avis de passage de chronotroll à destination d'un certain Zangdar. Apparemment, le destinataire n'était pas présent à son domicile au moment de la livraison. Et on a un bouquin. Ok. Et bien, on va tout prendre. Voilà. Et puis, on va sauvegarder ici. Hein. Je suis désolé si je sauvegarde souvent, mais je me méfie. Hein. Alors, attendez. Je cherche ma souris, ne fonctionne plus ou quoi? Pourquoi je ne peux pas sauvegarder? Attends. Je reviens là. Voilà, c'est mieux. Sauvegarde. On écrase. Allez, retour. Là, continuez. Eh bien, écoutez, on va aller voir ce qui se passe au 3e. Voilà, c'est l'accès au 3e étage. C'est parti. Voilà, donc il me reste encore une quête annexe à faire, mais personnellement, elle est trop dure pour moi. Au niveau des combats, c'est trop difficile. Donc, je préfère continuer la quête principale ici. On fera la quête annexe un peu plus tard, quand je serai un peu plus fort. Après, j'ai augmenté le niveau. Hein. J'ai pas encore fait les niveaux, là, mais bon. On va essayer de faire ça tranquillement. Allez. Ah, ça sent les peaux vertes ici. Ça empeste le gobelin. Combattre. J'aime pas les gobelins. Ils sont sales et ils mettent le bazar partout. Et puis, ils coupent les arbres et font des choses avec les écureuils. Dit comme ça, tu les rendrais presque sympathiques. Mais ce sont mes pires ennemis. Ils creusent dans tous les sens, ils attaquent nos mines et volent notre or. Alors, bien, bien, Bobo. Laisse-moi deviner. Il dit que c'est bon à manger. Toi, tu fais des progrès en ogre. Oh, il y a des êtres, vous voyez, là, qui sont complètement gelés, ici. Tout est gelé, là. Il doit y avoir un sort ou quelque chose qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans cet état-là. C'est pas bon pour nous. On va visiter la porte. On va ouvrir la porte ici. Ah, c'est fermé. Ici, alors. Pas le sang bouille. C'est fermé. Eh ben, tu ne crochettes pas. C'est étrange. La forme de la serrure ne ressemble à rien de connu. On dirait un
un assemblage de plomberies. Dis plutôt que t'es aussi doué en crochetage que moi en tricot pour poney. C'est bien pourtant de tricoter pour les poneys qui ont froid l'hiver. Sur ma fiche de perso, je n'ai pas mis de points en crochetage. Je suis un voleur, pas un cambrioleur. Y a une pancarte. C'est écrit « Suite à des excès de boissons, l'accès au quatrième étage est condamné jusqu'à nouvel ordre. Si vous ne savez pas lire, tant pis pour vous. Signé Revax, intendant principal. » Et voilà, tant pis. C'est dommage, si près du but. Il n'y a plus qu'à repartir à la taverne et attendre la fin du monde dans ce dernier bar. C'est bizarre, les pattes de mouche ressemblent à des dessins gobelins. Attention, je crois qu'on vient. Ah, attends, c'est peut-être les gobelins qui sont... Non. Mais qu'est-ce que vous faites là? Cet étage est interdit aux traînes patins. Ah, encore un gobelin qui parle. C'est complètement anormal. Demi-gobelin, espèce de nabo grincheux. Et je suis l'intendant principal du donjon, dans un robinet. Ah, vous tombez bien. On voudrait la clé pour le quatrième étage. Et on aimerait bien essuyer nos crampons sur ton visage. Tapez. Oh, vous êtes trop pouilleux pour que je perde mon temps avec vous. Garde, massacrez-moi ces débiles, pour la gloire du maître. Ah, puis lui, il se barre. Saloperie. Bon, ben, il va falloir combattre tout ça. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Oh, ils sont nombreux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Waouh. Et on n'est que 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein. Alors, j'espère qu'ils sont pas très puissants, les cocos. Hein. Allez, le barbare, on va le mettre ici. L'ogre, on va le mettre ici. Le barbare... attends, pas le barbare. Le ranger, on va le mettre à l'arrière. Le barbare, on va le mettre en première ligne ici. La sorcière... bah, là, je pense que tout est bon. Et le nain pour passer sur les côtés. Non, ça va, c'est bien. Allez, baston. Va, c'est un broquis ! Va ! Là, ils sont trois joueurs avant moi. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est bien, rate. Yaton. Ah lui, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tromblon. En plus, il rate, c'est génial, tant mieux. Allez, à notre ranger. Alors, le ranger, lui... pareil, comme d'habitude, parade esquive de tous les alliés. Tenez vos positions. Protection de groupe. Fin du tour. Le barbare, bah lui il va frapper le barbare. Double coup pour lui plutôt. Allez. Ça sent le tour de chef lui. Magnifique. Fin du Rivastak, Zapivili. Pareil, lui, un tromblon qui va, qui fait rien. Alors le nain, il va se présenter ici, là. Voilà, et il va frapper ici. Et dégage. Voilà. Ensuite, nous avons l'ogre, l'ogre qui va frapper lui. Comme ça, en reculant deux cases... Ah merde, il a raté, c'est pas possible, mais quel nul. Allez, la magicienne. Tous mes personnages sont à plein de toute façon, donc il a... ici elle fait un petit tourbillon là. Voilà. Fin du tour. La paladine.
On va tirer sur lui. Voilà, un de moins. Fin du tour. C'est bien, on dira. Pour l'instant, il ne faut aucun point de dégâts. Le voleur. Le voleur, il va se mettre ici. Là. Voilà. C'est moi. Et ensuite, il va frapper. Allez. Voilà. Ensuite, nous avons l'elfe. L'elfe, elle va frapper tout simplement le mec en face. Voilà. Fin du tour. Protection, c'est bien, mettez mon protection, je m'en fous. Voilà. Même pas mal. Pas en rêve. Ok. Allez, le ranger. Le ranger, il va peut-être frapper ici. Voilà, bien joué. Et puis il va avancer. Ah non, s'il avance, il va se faire tirer là. Fin du tour. Le barbare maintenant. Alors le barbare, s'il avance, il va se prendre des coups. Il y a des chances qu'il soit renversé. Donc on va retarder son tour. Attendre qu'il vienne au contact à la limite. C'est bien. Allez, autour du nain. Le nain. Il va se mettre ici. Il va frapper normalement celui-ci. Allez. Jambes à l'ogre. Alors là il peut se prendre un coup là s'il avance, mais on va le faire quand même. Allez, même pas. Et on va faire burp. Attends, peut-être pas. On va attendre qu'il soit plusieurs sur la même ligne que lui. Je vais frapper tout simplement en espérant qu'il loupe pas son. Mais bon, bien joué l'ogre. À la magicienne. Magicienne, elle va retarder son tour. La paladine, elle va se mettre à côté. Elle va se mettre là. Ils sont trop moches. Bouh. Voilà. Et après, ça sera au tour du voleur pour. Allez, le voleur. Le voleur. Si la cible est de dos, mais il ne peut pas l'avoir de dos dans tous les cas. Ça, j'ai l'impression que ça va se réveiller, ça. Voilà, c'est bon. Au barbare. Le barbare, il va avancer ici. Ouais, il glisse. Merde. En fait, c'est une patinoire, en fait, ici, au milieu. Donc, il y a des chances qu'on glisse quand on va au milieu. Hop, tu la vois, ma capuche? Ouais, c'est une sorte de patinoire. Ouais, vous voyez, il tombe. Donc il y a des chances que je me casse la figure en allant au milieu ici.
Voilà, 6% de chance de chuter. On y va quand même. Et merde. La magicienne. Elle va un peu plus passer son tour. Bon. Elle va envoyer un tir. On peut pas aller trop loin. On peut l'envoyer sur lui par contre. Allez. Voilà. Fin du tour. Vous voyez, il se réveille. Les gens qui sont givrés là. Donc tout compte fait, ça me fait un peu plus d'ennemis à combattre. Le problème du gobelin, c'est qu'il est toujours au pluriel. Le ranger. Il va taper de loin. Oui. Voilà. Autour du barbare qui se relève là. Attends. Pas tout de suite. Voilà. Lui se relève. Il va frapper tout simplement lui. Allez. Comme ta gueule. Et après. Il va avancer quand même là. Voilà. Il profite de taper sur l'œuf qui est par terre. En purée, les gobelins! C'est bon. Donc là, ils sont bien entourés, là, les personnages. Hein. Il y en a trois derrière, là. Une attaque de dos, heureusement qu'il rate. Hein. Allez, le nain. Le nain. Ah, il pourrait faire une attaque tous les personnages autour, mais malheureusement, il y a le. Il peut pas encore. Hein. Ici. Voilà. L'ogre. Là, vous pouvez peut-être taper lui, hein. Juste à côté. Allez. Voilà. Fin du tour. La magicienne. Elle va être soignée quand même là. Ça. Voilà. Fin du tour. La paladine. Elle va taper lui. Voilà. Fin de tour. Le voleur, il va taper celui qui est juste derrière. Tout ça se retourne. Voilà. Il reste plus que deux. Non, trois. Non, pas. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5. Et il va se placer face à lui. Voilà. Allez, l'œuf se relève. Alors, je préfère un tir en ricochet, mais... On pourrait faire un petit tir en ricochet ici, hein. 135%, 85%, 80%... Allez, un tir en ricochet. Voilà. Bon, c'est pas super super, hein. Bon, a priori, je devrais y arriver, hein. Ok, lui il tombe, c'est parfait. Lui il va me frapper. Raté, génial. Pas trop compliqué ce combat là. À mort! Oh. Hey. Alors, nous avons notre ami Ranger. Est-ce qu'il va soigner quelqu'un ou pas? C'est utile ou pas? Non. Il va tirer sur quelqu'un. 95%, 125% de chance de toucher,
86% et 100% de chance de toucher. Comme lui est de dos, on va plutôt faire celui-là. Voilà. Fin du tour. Le barbare, il va en profiter pour faire un coup en arc de cercle. Je pense que ça serait pas mal. Ici. Voilà. Comme ça, il se retourne. Aïe ! À lui. Lui, je pense qu'il va frapper mon voleur. Ah, oh, mais ça pique ! Ouais. Allez, le nain. Le nain, il va se déplacer. Ah, il a 6% de chance de glisser. Hein. Il va se déplacer juste là. Là, il tombe. Dégage, t'es sur mon chemin. Et il va le frapper. Ici. Voilà. Alors, l'ogre. L'ogre, il a 6% de chance de tomber ici. Il va s'y mettre quand même. Il va essayer. C'est bon, il tombe pas. Et il va faire une attaque normale. Ici. Voilà. Terminé pour l'ogre. La magicienne. On peut infliger des dégâts de zone. Elle va pas le faire. Elle va se mettre ici. Voilà. Bonjour, bonjour. Afin de protection pour Azardo le barbare. Kitina. Voilà. La paladine. Est-ce qu'elle peut tirer là-dessus? 71% de chance de toucher. Hein. Allez, on tente. C'est bon, hors de combat. Il ne reste plus que deux bugus. Lui, il va se mettre par là. Fin du tour. Alors, l'elfette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut soigner quelqu'un. Non, c'est pas utile pour l'instant. Voilà. Parfait. Il n'y en reste plus qu'un. Raté. Alors. Voilà. Alors l'ennemi est en déroute. C'est qu'il va essayer de s'enfuir là où mon voleur est. À mon avis, il n'y aura pas le temps de s'enfuir. Hein. Le barbare, il va avancer quand même vers lui. Ça ne tombe pas. On va frapper. Alors, prends ça, Bobiette. Voilà. Combat plutôt facile. Fiche, j'ai du sang partout. Alors, je peux toujours pas soigner le groupe malgré que j'ai 25 et 25. Hein. C'est quand même étonnant, hein, comme tout ça. Bon. Alors j'ai une bombe glacée, existe en parfum fraise, vanille ou chocolat pistache. Un bras de gobelin, ce bras de gobelin encore dégoulinant de sang était arraché dans la bataille. L'ogre semble le regarder avec envie, mais c'est vraiment une bonne idée. Un broyeur de gorge gobelin, les semelles à couper et ses bottes sont bien adaptées pour broyer la gorge des gobelins dans les tunnels des mines. Elles tiennent chaud. Une épée longue de schnaffon, pratique pour assommer, moyen pour couper. Tunique de voleur de la guilde des chats noirs. Ah. Ah, c'est pas mal tout ça, je prends. Voilà. Alors, le voleur. Cette potion avait un aspect suspect. Allez, retour. Alors, tu vas voir que. Pourquoi ils se mettent au milieu là, les gogos là?
Une petite sauvegarde s'impose, je pense. Voilà. Là, on sait jamais s'il y aurait des pièges. Souvenons que le gars s'était mis. Était passé par là. J'ai un autre combat ici. Hein. Quoi, c'est encore vous? Je croyais qu'on avait fait des abat-jour avec la peau de vos miches. Cancrela, fouilleur de poubelle. Ah, enchanté. Eh bien, moi, c'est Revax. Comment il t'a mouché? On va en faire de la purée de cervelle avariée. Bah, attendez, on peut discuter, non? Non, à l'assaut. Garde, garde, liquidez-moi cette baroudeur puante. Zivatralak, Vizimat. Bon, ils sont que 4. Hein. Ouais, ils sont pas plus. Putain, ils se barrent à chaque fois, ce con. Ah, ils sont beaucoup plus nombreux que ce que je pensais. Bon. Bon, 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 bon. C'est pas ce que je pensais faire, moi. Allez, le nain ici. Le troll devant. Le ranger. Oh, le ranger, on va laisser là. Tout le reste, ça me semble bon. Passe-t'en. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des gens sous le côté là. Beaucoup de combats quand même hein, dans ce jeu. On va se mettre derrière la caisse là. Et on va tirer ici. Niveau 3. Oh là, chef gobelin. Niveau 4. Ah, j'avais pas vu ça, qu'on pouvait voir le niveau des personnages. C'est pas mal. Le barbare. Merde. Baston. Putain, il rate. C'est pas possible ça de rater. C'est chaud là. Donc il pense être tranquille. Le nain, il va aller où le nain? Il va avancer un petit peu. Voilà. Les gobelins, on peut s'essuyer les pieds dessus. Attaque de dos, ouf. J'ai de la chance qu'il rate, hein, franchement. Ouf, ça fait mal, ça. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire avant? On va rester là, on va tirer ici. Voilà. La paladine va en profiter pour avancer. Ici. Parce que là, ils se concentrent tous ici. Hein.
Oh là là là, j'aime pas ça. Ah, ça pue là. Là, ça pue. Franchement, ça pue. Entouré de tous côtés, hein. J'ai la chance qu'il rate. Alors l'elfe par contre elle a intérêt à soigner parce que vous voyez un gobelin, ça va, sans gobelin ça craint. L'ogre il est mal, on va se mettre ici pour l'elfe, hein. Et on va faire un petit bisou magique à l'ogre. Allez. Ouais. Je sens moyen ce combat. Je sens très très moyen. Même pas mal. Ah bah c'est bien si le propre gobelin s'y reste là. Ouais bien. Si ça peut les piéger aussi, ça m'arrange. Voilà. Je vais plutôt soigner quelqu'un. Mais... Ah oui, il faut qu'il soit en contact. Attends. On soigne quelqu'un, il faut qu'il soit en contact. Alors frapper ou soigner, c'est ça le truc, hein. Il va frapper. Attention, ils vont me tirer les cheveux. Autant éliminer la menace. Là j'en ai deux face à moi. On va faire un slash. Ici. Là. Au moins il y en a eu un. Parce que c'est quand même chaud. C'est très très chaud. Surtout les tromblons là, ça enlève plein de points de vie. Faut aller rate. Allez le nain. Le nain. Tous les personnages autour du nain, bah non, mais s'il fait ça, il va taper. On va taper lui. Oh merde. Ces abjects gobelins sont encore plus sales que les paysans, c'est dire. Oui. On va le repousser de cage. Voilà. C'est grâce à mon brillant commandement. C'est bon. C'est bien qu'il rate. C'est bien, raté les gars. Ça m'arrange. Alors il y a lui et il y a lui. Hein. On va faire plutôt une protection pour lui. Une vigne arcade, hein. Ça va le protéger des coups. Hein. Et ça va envoyer 15% des dégâts qu'il prend à l'adversaire. Donc c'est bien de faire ça. La paladine. La paladine, elle va tirer sur. Ou frapper. Elle va frapper. Remercions le guérisseur. Voilà. Alors lui c'est bien parce qu'il va dans le feu. Il va se faire tuer tout seul. Donc ça m'arrange qu'il rentre dans cette zone-là.
Alors autour maintenant du... lui il va frapper simplement, il va le tuer. Frappe sans bruit, voilà. Mais pas sans douleur. C'est bien. Et il va se diriger vers lui. Auprès de Dodo, voilà. L'elfe. L'elfe, elle peut faire un tir en cascade, hein, si elle veut. Allez, un petit tir en cascade. Voilà. Fin du tour. Il reste quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hein, les ennemis. Il en reste beaucoup quand même. Hein. Alors lui, il a voulu passer, mais il s'est pris des attaques. Voilà. Il reste plus que 9. Même pas mal. Par contre, ils sont 3 là, il est tout seul. Hein. Ça, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est bien. Oh merde, j'avais pas vu que le ranger était si faible que ça. Le barbare. Le barbare peut plus faire du coup slash, mais il peut frapper. On frappe. Voilà. Fin du tour. Ils sont 3 joués. Ah, ah ça, ça pue. Ah les bombes, c'est horrible. C'est horrible. Ah, j'ai une deuxième qui est dans les vapes. Ah ça, ça pue ça. Ça pue beaucoup. Est-ce qu'il peut manger une saucisse, lui? Voilà, ça va faire remettre un petit peu de vie, mais pas des masses. Hein. Il va se remettre face à lui. Alors, l'ogre. L'ogre, il ne reste plus beaucoup de points de vie non plus. Hein. Il va se remettre face à lui. Voilà. La magicienne, elle, faut est-ce qu'elle soigne absolument. Elle va soigner Ranger. Voilà. Fin du tour. Le voleur. Le voleur. Attends, il y a ça. Alors, on va faire ça. Ça. Voilà. Mais, oh, que s'est-il passé? Allons-y. Alors, le voleur, il va utiliser sa furtivité. Je ne suis pas là. Voilà. Et il va se déplacer ici. Voilà. La paladine, elle peut essayer de tirer sur lui. Elle est hors zone. Hein. Après, il y a le guerrier qui est tout seul. Hein. Elle va rejoindre le guerrier. Ah merde, j'ai pas vu. Ouh, j'ai pas vu ça. Quel nul. Alors. Elle se soigne toute seule. L'elfette. Massacrons-les! L'elfette, elle va tirer. Elle va tirer sur qui, l'elfette?
pour lui. Voilà. Il reste plus que 4 ans. Il reste plus que 4 ans. Ouf. Ah, ça j'aime pas du tout. Alors le ranger. Le ranger il peut soigner quelqu'un. Il va soigner l'ogre. Serre les dents. Me voilà. Voilà. Le barbare. Il va aller là. Il va frapper notre ami ici. Là. Sa poutre. Voilà. Il reste plus qu'un. Ici. Ici. L'ogre. Il va avancer. Salut, je suis le ranger de Loubet. Il va avancer encore. Je sens une odeur de plèbe s'approcher. Encore. On va avancer un petit peu. Voilà. Et elle va frapper. Voilà. Il en déroute. C'est-à-dire qu'il est susceptible de se barrer, notamment par là. Mais vu le trajet qu'il a à faire, à mon avis, il est foutu. Allez. Voilà. Et ben, c'était pas gagné. Hein. C'était franchement pas gagné. Ah, le ranger gagne un niveau. Et ben, on va soigner le groupe. Voilà. Et puis on va. Alors on a quoi? Arbalète descente et d'accident. Ah, c'est pas mal ça. Un casque au rouillé, une hache corps de disruption, un panier de combat, des potions de soins mineurs, on prend tout. Voilà. Là on va soigner. La bière, c'est meilleur. Là. On sait jamais, des fois qu'il y aurait. J'avais soif. J'ai utilisé toutes mes potions en fait, a priori. J'en ai plus du tout. Un tour. Allez, sauvegarde ici. Alors j'espère que je n'aurai pas un troisième combat d'affilée. S'il y a un troisième combat qui s'enclenche, je vais arrêter la vidéo là. Hein. On va pas faire trop non plus de combats sur une seule vidéo. Là. Regarde, en même temps, je fouille un peu les environs. Oh merde, c'est un piège. Marcher dans un piège. Est-ce que ça porte bonheur? Écoute, on va mettre le voleur en avant. Alors, juste pour voir au niveau des. Alors des bandages utilisés. On va encore utiliser un bandage.
Voilà, c'est bon. Touche pas à mon or, c'est mon précieux. Voilà. Je peux pas la faire manger, elle. Bon, compétence. Elle n'a pas du tout de compétence à activer, elle. C'est un peu long à avancer, mais j'ai pas trop le choix. Je crois que je passe maintenant avec le piège. Une sauvegarde, parce que là, s'il y a un combat, j'arrêterai la vidéo là, je préfère sauvegarder là. Enfin... Voilà. Continue. Vous êtes du genre pénible, un peu comme un vieux sparadrap collé au bout du doigt. Mais j'ai de la ressource et nous sommes légions. Encore des gobelins. Il y en a jamais trop à désinguer. On va éradiquer tous ces pauvres et on fera des paillassons avec leurs oreilles. Oui, ils sont vilains. Je leur dis zut. Appétissante ingénue. On la gardera pour la suite. Vivante ou morte d'ailleurs, peu importe. Allez, qu'on appelle mes autres gardes. Ralak, Ralak, Veratsa. Et il se rebelle à nouveau. Putain, il est pénible, hein. Et recombat. Donc c'est combat sur combat, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo ici. Et je vais pas aller plus loin que ça, parce que là, ça fait déjà quand même quelques combats qu'on a fait. Et je continuerai la partie suivante sur cet endroit-là, justement. Et on essaiera de rattraper ce maudit gobelin. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur le donjon de Narelbeck. Allez, ciao.